5 ans. que moi je ne voulais pas d'enfant. Déjà, je sais pas pour qui tu te prends à croire que tu peux dire à une femme d'avorter, c'est son corps, c'est pas le tien. Donc t'as rien à dire de base. Vous avez quoi les mecs comme problème à croire que vous pouvez tout décider à la place des filles? Dans les institutions ou là sur TikTok, cette génération, moi, elle me fait flipper. À quel moment il y a eu un problème dans votre éducation? Après, tu m'as dit, je vais chez le gynéco, je vais avorter. Je t'ai dit d'accord. En tout cas, je vois qu'à ce moment-là, ça t'intéressait beaucoup moins. Parce qu'à partir du moment où elle t'a dit, je vais avorter, t'as même pas eu le courage d'aller avec elle. Parce que là, tu fais le bonhomme sur les réseaux. Mais à aucun moment, tu t'es dit, ouais, peut-être c'est une épreuve pour elle, donc je vais l'accompagner, je vais faire le vrai bonhomme dans la vie. Même pas besoin de le dire, je sais qu'à ce moment-là, tu pensais qu'à ta gueule. Tu t'es dit, ouais, ça y est, c'est bon, en fait, je suis tranquille, j'aurai pas de bébé, nanana. T'as même pas pensé une seule seconde à sa santé mentale à elle. Guignol. Tu es parti chez le gynéco. Une semaine après, tu m'as dit, écoute, au final, je peux pas avorter parce que j'ai déjà avorté 3 fois. Donc, si j'avorte encore une fois, eh ben, je risque de plus pouvoir avoir d'enfant. Refais un enfant, mais avec quelqu'un d'autre. Ça se voit que t'es pas la file la plus rapide du supermarché. Qu'est-ce que tu comprends pas dans j'ai avorté 3 fois, donc j'ai risque de plus avoir d'enfant? Toi, tu dis quoi? Tu dis, bah, avorte celui-là et t'en. Aujourd'hui, je teste. Le shot de gingembre, mangue, citron vert. Ah! Dur à une main. Il est moins fort que l'autre, je suis dégoûté. Il est plus épais. Je fais que du sang. La madame, bonjour la madame. Venez la madame. Oumi. Oumi. Bonjour. Bonjour mon chien. Bonjour, t'as bien dormi? Tu peux venir dire bonjour? Excusez-moi. Excusez-moi.